Donc les versets que je vous ai proposés pour 2017 se trouvent dans cette lettre de Paul aux Colossiens et les versets 10 à 11 particulièrement qui dit « Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse pour être toujours et avec joie persévérants et patients. » Alors dimanche passé, pour celles et ceux qui étaient là, j'ai relevé trois choses particulières par rapport au verset 10 qu'on a médité un petit peu. C'est déjà l'importance de marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. La deuxième chose, c'est de porter des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes. L'importance également de porter des fruits. Et la troisième chose, de croître. Croître dans la connaissance de Dieu. On a besoin de connaître ce Dieu merveilleux qui nous tend les bras, c'est vrai, qui nous aime. Et on a besoin de s'approcher de lui et de le connaître de plus en plus. Ce n'est pas juste une philosophie ou une foi mystique, mais basée sur la parole de Dieu. Et pour le connaître, eh bien, on a besoin de connaître cette parole de Dieu. Et j'avais aussi cité le verset d'Osée 4, verset 6, où le prophète Osée dit « Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas ». C'est vrai qu'on peut comme mourir parce qu'on ne connaît pas le Seigneur. « Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas ». Et aujourd'hui, donc, on va s'arrêter sur le verset 11 qui sont sur vos petites feuilles, qui nous dit « Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse ». Pour être toujours et avec joie persévérant et patient. Donc ici, Paul voudrait que les croyants soient fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse. Je vais relire les versets 9 à 11 qui sont sur vos petites feuilles, comme ça vous les notez bien. Et on remarque aussi la progression. On va relever un petit peu la progression qu'il y a dans ces quelques versets. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue, portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse pour être toujours et avec joie persévérants et patients. Au verset 9, l'apôtre Paul souligne l'importance d'être rempli. Ensuite, il y a un autre mot qui ressort, vous pouvez voir aussi sur votre feuille, c'est marcher. Un autre mot qu'on voit, c'est porter des fruits. Un autre mot, c'est croisser. Et un autre terme, soyez fortifiés. Rempli, marcher, porter, croisser et soyez fortifiés. Rempli la connaissance de sa volonté. C'est vrai que pour aller de l'avant, il est important eh bien, de connaître la volonté du Seigneur. Marcher d'une manière digne, on l'a vu. Porter des fruits, croître de nouveau eh bien, dans la connaissance de Dieu. En deux versets, l'apôtre Paul souligne par deux fois l'importance de croître dans la connaissance de sa volonté. Et finalement, dans ce verset 11, « Soyez fortifiés ou devenez puissants ». Et c'est vrai que la vie du chrétien ne peut pas être vécue par la simple énergie humaine. On a besoin de beaucoup plus. On a besoin eh bien, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous donne cette puissance surnaturelle, que Dieu nous revête de son esprit. Et pour pouvoir être fortifié, afin d'être fortifié, on a besoin de cette puissance surnaturelle dans nos vies. Et Paul voudrait donc que les croyants aient la puissance du Fils de Dieu ressuscité dans leur vie. Il voudrait aussi qu'ils l'obtiennent par sa puissance glorieuse, comme c'est dit dans ce verset 11. Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse. C'est vrai que des fois, lorsque quelqu'un est découragé, on essaye des fois, avec plus ou moins de tact, à lui dire « Mais regarde, relève-toi, secoue-toi. » Ou... Et finalement, ça fait souvent l'effet inverse.
Et là, l'apôtre Paul va dire « Devenez puissants à tous égards. » Pourquoi ? Parce qu'il y a la force glorieuse du Seigneur qui te rend puissant. C'est la force glorieuse du Seigneur. Ce n'est pas toi qui vas te secouer, mais c'est le Seigneur qui va, par sa force glorieuse, te remplir. Et on voit aussi eh bien, que le revêtement de puissance est proportionnel non seulement aux besoins de celui qui en a besoin, mais aussi aux ressources de Dieu qui sont inépuisables. Alors le premier point de ce message que je vous transmets, c'est la suite donc de dimanche passé, cette invitation à marcher d'une manière digne du Seigneur, mais je l'ai intitulé « Des forces pour marcher », des forces pour aller de l'avant. J'ai préféré intituler cela de cette manière-là parce que ça me paraît être plus riche, plus juste aussi que de dire simplement « devenez puissant ». Parce qu'aujourd'hui, on met beaucoup de choses derrière ce terme de puissance, il y a une recherche de puissance qui me paraît être pas tout à fait toujours être pour des justes motivations. Des forces pour marcher. Pourquoi Paul voulait-il que les croyants possèdent cette puissance, devenez puissants à tous égards? Était-ce pour qu'ils accomplissent des miracles? Certainement, mais là, en tout cas pas. Ce n'est pas le contexte. On pourrait sortir ce texte de son contexte et dire, ben voilà, Dieu veut qu'on soit puissant parce qu'il veut qu'on renverse la baraque, qu'on déplace des montagnes. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Est-ce que c'était pour qu'il ressuscite des morts, guérisse des malades, chasse des démons? Certainement, dans d'autres textes, Paul le demande. Mais de nouveau, ce texte ne nous dit pas cela. Dans ce passage-là, ce n'est pas du tout son objectif. Et si on traduit littéralement la première partie de ce verset, « devenez puissant », c'est le mot en grec « dynamis », qui a donné aussi en français « dynamite ». Donc ça peut être explosif. « À tous égards ». C'est dynamoumenoi, de nouveau un dérivé de dynamis. Par sa force, c'est Kratos, c'est de nouveau quelque chose d'explosif et glorieuse. On devrait dire, si on voulait traduire un peu plus littéralement, en toute puissance, dynamisé selon la force de sa gloire. En toute puissance, dynamisé selon la force de sa gloire. On est dynamisé, on est boosté en raison de la force de sa gloire. Pas parce qu'on va se secouer un petit peu plus, pas parce qu'on va avoir une force de caractère qui nous aide à nous pousser, mais c'est simplement par la force de sa gloire. En toute puissance, dynamisé selon la force de sa gloire. On pourrait aussi traduire « fortifié ». Dynamisé selon la force de sa gloire. Et on le voit bien, les moyens que Dieu met à notre disposition sont à la hauteur de l'exigence. L'apôtre Paul nous le demande, devenez puissant, devenez fort. C'est un objectif qu'il met devant nous. Mais en même temps, il nous donne les moyens. En raison de la force de sa gloire, contemplez la gloire de Dieu. Et de nouveau, on en revient à l'importance eh bien, d'être dans la présence de Dieu. Pour contempler, pour être dynamisé par la force de sa gloire, il faut passer du temps dans sa présence. Hier, on s'est réunis avec quelques pasteurs, membres du conseil de différentes églises du Valais, responsables de groupes de jeunes ici, dans ces lieux, de 10h jusqu'à 15h30 environ. Simplement pour passer du temps dans sa présence, pour être à son écoute, parce qu'on avait à cœur, on a eu à cœur, on avait été interpellé en mars de l'année passée à le faire lors de la rencontre du réseau évangélique valaisan par l'orateur de s'arrêter entre différents pasteurs sans avoir forcément d'ordre du jour ou de planifier qu'on devait prier de telle manière ou telle manière. Oui, il y a des chants qui étaient préparés. Il y a différentes choses, mais de s'arrêter. Et c'est vrai que ce n'est pas évident de s'arrêter. On a cette notion de productivité.
il faut produire. On a besoin d'avoir un ordre du jour. Et les premières sensations, c'est qu'on se dit, j'ai tellement d'autres choses, on est en train de perdre du temps peut-être. Et au fil du temps qu'on passe dans la présence de Dieu, on se rend compte combien c'est bienfaisant et combien il y a besoin de passer ce temps afin qu'il nous remplisse. Et bien souvent, on est arrêté par le temps qui passe et parce qu'on n'a pas envie de consacrer ce temps, on a l'impression de perdre du temps lorsqu'on s'arrête dans la présence de Dieu. Mais si on veut être dynamisé par la force de sa gloire, on a besoin de s'arrêter. Et Dieu attend que des hommes et des femmes s'arrêtent dans sa présence, entre guillemets, osent commencer à perdre du temps, humainement parlant, ou à prendre le temps pour s'arrêter. Notre grand problème, je crois, dans ce 21e siècle, c'est qu'on ne sait plus trop s'arrêter. On n'a plus trop envie. Il faut être productif. Mais si vous voulez être productif dans le monde de Dieu, il nous propose autre chose. Il nous dit « Arrête-toi. Viens à la rencontre de mon cœur. Reçois ma pensée. En toute puissance, devenez puissant à tous égards par sa force glorieuse. En toute puissance, dynamisez selon la force de sa gloire. » Et je suis persuadé que toutes les personnes qui ont participé à cette journée peuvent dire « Mais waouh, on a pu voir un petit peu plus sa gloire, de s'arrêter ensemble, de passer du temps ensemble, de prier les uns pour les autres, de louer, d'adorer le Seigneur, de recevoir différentes paroles, textes bibliques, encouragement aussi pour les églises. Donc, la première partie du verset 11 que j'ai lu suggère que la puissance de Dieu a un aspect de sa gloire. Et même si les hommes, nous dit la parole de Dieu, ne peuvent pas voir Dieu et vivre, c'est ce qui est mis dans Exode 33, 20, on ne peut pas voir Dieu et vivre tellement il est glorieux, tellement il est saint, et on ne peut pas être directement en face à face avec Dieu. On peut tout de même discerner qui il est lorsqu'on s'arrête. On ne peut peut-être pas le voir face à face, mais on peut voir la preuve de son pouvoir et aussi y participer. Parce qu'on est dynamisé selon la force de sa gloire. Et selon la suite du verset, le résultat de cette opération ne consiste pas en miracles spectaculaires, mais en patience, en joie, dans l'épreuve. On n'aime pas trop les épreuves, mais c'est ce que Paul dit dans ce texte. Pour être toujours et avec joie persévérant. Et la suite et le contexte nous montrent que c'est persévérant dans l'épreuve. D'ailleurs, Paul, lorsqu'il a écrit cette lettre, tout baignait pour lui. Il est en prison à Rome. C'est chouette comme endroit. Et pourtant, il était dynamisé selon la force de sa gloire. Dans Éphésiens 6, 10, Paul va dire quelque chose de similaire, dit ces suivants. Vous connaissez certainement ces textes, mais je vais leur lire. Éphésiens 6, 10 à 17. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Tiens, de nouveau, quelque chose de similaire. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Ce n'est pas par vous-même, par vos efforts, en vous secouant plus, mais fortifiez-vous dans le Seigneur. Il y a quelque chose qui cloche dans votre vie, il n'y a pas le moral qui est là. Fortifiez-vous dans le Seigneur, arrêtez-vous, prenez le temps de vous arrêter dans la présence de Dieu. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Considérez combien Dieu est au-dessus de tout. Considérez la gloire de Dieu. Verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. De nouveau, il nous a parlé d'opposition afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. L'importance pour se revêtir de toutes les armes de Dieu, c'est de passer du temps dans sa présence, de les demander, de savoir déjà de quelle nature elles sont ces armes de Dieu
et en lisant la suite, on le voit. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. D'autres traductions disent contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. De nouveau, pourquoi ? Afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. L'apôtre Paul nous suggère, là encore, eh bien, qu'il y a un combat à mener. Vous voulez tenir ferme ? Vous voulez résister ? Eh bien, prenez toutes les armes de Dieu. Mais pour ça, on a besoin de passer du temps dans sa présence, de lire sa parole. Tenez donc ferme, verset 14, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice. Beaucoup de belles et bonnes choses à saisir, à prendre, à noter, la vérité pour ceinture, mais tenez ferme, enfilez ce que Dieu vous propose. Verset 15, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Verset 16, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Faites bon accueil. Faites bon accueil à la parole de Dieu. Je ne parle pas d'en avoir plein dans votre collection de la bibliothèque. Plein de versions différentes. Mais faites bon accueil, c'est, en d'autres termes, lisez la parole de Dieu. Parce qu'une fois par semaine, d'entendre quelques versets de la Bible ou quelques versets qu'on reçoit de ci, de là, même le Vita Bible Hebdo, qu'on écrit avec beaucoup d'amour, ce n'est pas suffisant pour vous nourrir. Faites bon accueil à la parole de Dieu, c'est-à-dire méditez-la. Pas juste possédez-la dans votre bibliothèque, mais recevez-la dans votre cœur, bon accueil dans votre cœur. Et ce texte nous dit comment on peut être puissant, ou en tout cas se fortifier par sa force puissante en prenant toutes les armes de Dieu. Puissant afin de pouvoir résister de nouveau, là encore dans ce texte. N'en aimerait une puissance de laquelle on se sert pour faire plein de miracles. Oui, la Bible en parle aussi. Mais elle parle aussi de ce genre de choses qu'on a besoin. De cette puissance afin de pouvoir tenir ferme, afin de pouvoir résister. Et on a besoin donc de ces forces, de cette force pour marcher dans l'adversité, aussi, selon la suite de ce verset, afin de marcher dans la persévérance et la patience. Devenez puissant à tous égards par sa force glorieuse, pour être toujours et avec joie persévérant et patient. Ça, c'est pas évident, ce mot joie. Si vous avez vu sur les mementos de la semaine passée, il y figurait pas. C'est la Bible à la colombe. Je ne sais pas pour quel mystère ils ont enlevé le mot joie. Et pourtant, en grec, il y figure bien. Donc, je l'ai rajouté sur ces petites feuilles et on corrigera sur le memento aussi parce que ça me chiffonne. Qu'on enlève un mot, donc ils disent qu'il faut être toujours persévérant et patient, mais ils ont enlevé la joie. Dommage. Peut-être que ceux qui ont rectifié ça avaient de la peine avec ce mot joie. Ils se sont dit que la foi, c'était de tirer des tronches. Mais non. Alors on va être toujours et avec joie, persévérant et patient. Dans la tribulation, dans l'adversité, selon ce que le contexte nous propose. Et quand on est rempli de la connaissance de qui est Dieu, ça va affecter notre manière de vivre. Ça affectera aussi même notre manière d'affronter l'adversité. Et Paul dit que nous devons marcher d'une manière digne du Seigneur. C'est ce qu'on a vu l'autre fois et ça demande non seulement des forces, mais aussi de la persévérance et de la patience. La patience et la persévérance sont des signes de force,
sont pas des signes de faiblesse. Non, mais d'autres valeurs en avant qui caractérisent la force, mais la persévérance et la patience sont des signes de force. Et dans Hébreux 10, verset 36, il est écrit, oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Vous avez besoin de persévérance. Là encore, on met cette notion en avant. Et faire la volonté de Dieu, eh bien, c'est aussi se laisser conduire par le Saint-Esprit afin qu'il produise dans nos vies le vouloir et le faire selon le bon plaisir du Seigneur. Est-ce que vous voulez le meilleur pour votre vie? J'en suis persuadé. Qui se souhaite du mal, cette salle? Personne? Non, mais à vous, hein, pas aux autres. Personne. Donc, vous vous souhaitez le meilleur. C'est bien, personne n'est masochiste. Christ nous a déjà tout donné en lui. Et les promesses, ses promesses, afin que le meilleur nous arrive, sont dans sa parole. Vous le croyez? On peut dire amen. Merci. Est-ce qu'il y a un autre amen encore? Amen. On a tout au travers de Christ, afin bien que le meilleur nous arrive pour chacune de nos vies. Mais on a la responsabilité aussi de faire preuve de bonne volonté afin de faire fructifier notre héritage. Dieu s'attend à ce qu'on fasse preuve de bonne volonté. Pour s'emparer de tout ce que Dieu a en réserve pour nous, il est indispensable de faire preuve de persévérance. Sans elle, on ne pourra pas obtenir ce qui nous est promis. La persévérance également dans la lecture de la parole de Dieu. Notre persévérance doit être agissante dans la mission que Dieu nous a confiée. Et cette persévérance doit aussi se manifester dans de nombreux aspects spirituels de nos vies, tels que l'amour, la foi, la sainteté que vous pouvez trouver dans 1 Timothée 2, par exemple, ou encore la prière dans Colossiens 4, où l'apôtre Paul va dire au verset 2 « Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance ». Ça tombe bien, on aura une semaine de jeûne et prière, début février, où vous pouvez participer à midi, le soir. Persévérez dans la prière. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Troisième chose, à laquelle Dieu nous appelle à persévérer, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Jacques, au chapitre 1er, verset 25, nous dit « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Un peu compliqué, je vais le relire. « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. » La loi, c'est celle qui nous délivre de l'esclavage en Jésus-Christ, la loi parfaite, la parole de Dieu de nouveau. Qui aura plongé les regards dans la loi, qui aura persévéré, pas comme ça, ah ouais, c'est fait, qui aura persévéré dans cette loi, n'étant pas un auditeur oublieux. Ben des fois, c'est vrai, on a mille et une pensées qui nous trottent dans la tête, et puis on ferme la Bible, puis tiens, je me souviens plus du tout ce que j'ai lu. Ça vous arrive pas? Parce qu'il y a eu mille et une autres pensées. Ben, si ça vous arrive, rassurez-vous, vous n'êtes pas quelqu'un d'anormal. Ça m'arrive tellement trop de fois. Ben, je vais persévérer. Je vais dire non. Je vais relire ce texte. Et cette fois, je vais faire plus attention. Demander au Seigneur de me dire, je ne veux pas juste lire comme ça, par formalisme. Mais je vais m'arrêter sur ce texte parce que j'ai rien capté, j'ai rien retenu, donc je vais le relire une seconde fois. Et je vais essayer de faire attention aux mots, essayer de faire attention à ce texte. Et comme je n'ai pas envie d'être un auditeur oublieux, je vais essayer de me mettre à l'œuvre selon ce que Jacques a écrit, me mettre à l'œuvre selon cette parole de Dieu. Ça, ce n'est pas évident, parce que des fois, Dieu nous demande des choses, ça nous engage.
mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ah oui, tout le monde a dit qu'il avait envie d'être heureux, de recevoir le meilleur. Donc c'est votre cas, vous ne vous souhaitez pas du mal, j'en suis rassuré. Celui-là sera heureux dans son activité. Alors voilà le mode d'emploi, entre guillemets, un des modes d'emploi. Jacques 1, 25, notez-le. Inscrivez-le quelque part, si le cœur vous en dit, afin de retenir ça. Et c'est vrai que la persévérance se nourrit et tire sa force de trois sources également. La foi, la patience et la fidélité. La foi, elle provient de la conviction que ceux qui travaillent dans le royaume de Dieu le font jamais en vain. Parfois, on a l'impression de travailler dans le vide ou de prier dans le vide. La foi, eh bien, c'est cette conviction que ceux qui travaillent dans le royaume de Dieu le font pas en vain. Dieu nous entend, Dieu n'est pas sourd. La patience éprouve les motivations profondes de nos actes. Si on reçoit tout tout de suite, on a un Dieu presse-bouton, automate ou machine à sous. Et puis le jour où on doit attendre un petit peu, on se dit « Ah, de toute façon, Dieu ne m'aime pas. Il en a que pour les autres. Il en a que pour les autres, mais pas pour moi. » Donc voilà. Éprouver nos motivations. Pourquoi est-ce que tu sers le Seigneur ? Et la fidélité nous permet de manifester de l'endurance dans notre marche chrétienne, quelles que soient les circonstances. Êtes-vous tenté parfois de reculer dans votre engagement avec Dieu ? Ça peut arriver. Des fois, on se dit à quoi bon ? Certaines expériences ont peut-être affecté votre enthousiasme. Vous avez eu des déceptions. Peut-être même des chrétiens vous ont déçu. Peut-être même le pasteur ou un pasteur vous a déçu. Ça peut arriver. Certains échecs vous ont déçu. Peut-être ça a affecté votre enthousiasme, votre motivation. Eh bien, ce texte nous dit, ne laissez pas le découragement vous gagner. Laissez pas être envahi, vous laisser envahir par le découragement. Relevez-vous avec l'aide de Dieu et poursuivez votre cheminement spirituel. Devenez la femme ou l'homme que Dieu désire que vous soyez. Pourquoi ? Parce que vous êtes fortifié par sa force glorieuse, en contemplant sa force, la force de sa gloire. Agissez selon la parole de Dieu et que votre vie soit guidée par le Saint-Esprit, pas par simplement vos sentiments, pas par les pseudo-résultats, les échecs ou au contraire les victoires, mais que vous puissiez continuer de persévérer et d'être patient pour attendre eh bien, les promesses du Seigneur. Et c'est important de persévérer et de faire preuve de patience parce qu'il y a un grand danger de revenir sur nos engagements. Dans Hébreux 6, versets 11 à 12, on a cet avertissement. « Nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. » Si c'est écrit là, dans ce texte, de cette manière-là, « Nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin. » Ça veut dire qu'il y a peut-être eu un découragement. Il y a quelque chose qui fait bien qu'il y a de la difficulté. Mais là, l'auteur du livre des Hébreux dit « On veut que vous fassiez preuve du même zèle pour conserver jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous ayez atteint la ligne d'arrivée, jusqu'à ce que le Seigneur revienne ou qu'il vous ait repris dans sa présence, jusqu'à la fin. » Verset 12 « Ainsi, vous ne vous le relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. » En d'autres termes, ce qui est écrit dans ce texte, c'est qu'on peut être déchu de la grâce de Dieu si on s'arrête avant la fin. Si on s'arrête avant la fin. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Il n'y a que ceux qui arrivent sur la ligne d'arrivée, eh bien, qui reçoivent cet héritage promis.
C'est ce que ce texte nous dit en tous les cas. Donc on a besoin de persévérance. J'ai besoin de persévérance. Vous avez besoin de persévérance. Et c'est tellement important de tenir bon et de demander l'accomplissement des promesses de Dieu jusqu'à ce que nous les obtenions. Et certaines personnes font la volonté de Dieu et revendiquent ce qu'il leur est promis, mais elles ne tiennent pas bon dans la durée. Alors elles disent que ça n'a pas marché. Une fois, il y a eu un échec, quelque chose qui n'a pas marché comme vous le souhaitez, et vous vous arrêtez. Et c'est le danger parfois lorsque ça va très bien, puis tout à coup, hop, un échec. Une maladie, un non-exaucement à nos yeux, puis on se dit à quoi bon ? Le Seigneur m'aime plus ou que sais-je ? Puis on va baisser les bras. Mais là, l'apôtre Paul nous dit de persévérer. Persévérer afin de recevoir l'héritage promis. Vous avez besoin d'avoir la foi, c'est vrai, et d'être persévérant. Dans Hébreux 12:1, il est écrit « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Hébreux 11, c'est tous ces héros, ces témoins de la foi. Et si vous relisez ce texte d'Hébreux 11, on ne va pas le faire ce matin, mais vous pourrez le relire. On peut voir la fin de certains, c'est troublant. Certains ont vécu le martyr la fin, l'issue de leur vie, sont morts en martyr. Et pourtant, l'auteur des Hébreux au chapitre 12, verset 1, nous dit « Nous donc aussi, puisqu'on est entouré d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve. » L'épreuve, ça fait penser qu'il y a une difficulté, qu'il y a un obstacle, que ce n'est pas forcément évident. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Et là, dans ce texte, ce n'est pas la vitesse, ni la performance, ni la force qui compte, mais la persévérance. Et Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4, nous dit « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. » Spécialement ce verset 3, « La mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » On a besoin que notre foi soit mise à l'épreuve afin de pouvoir grandir. J'étais interpellé cette semaine simplement en pensant aux chrétiens persécutés. C'est vrai qu'on a de la peine à s'imaginer que dans, je sais pas, une bonne cinquantaine de pays, spécialement une trentaine où c'est très très difficile, une cinquantaine de pays, c'est très difficile de se réunir, de se rencontrer sans avoir crainte d'être arrêté. Si vous proclamez Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous risquez d'être jeté en prison ou pire, tué ou... Même en entendant que des femmes sont violées ou que sais-je, des atrocités, on a de la peine à s'imaginer ça au XXIe siècle et pourtant ça existe dans bien des pays du monde, une cinquantaine où c'est difficile. Et je me suis posé la question, mais pourquoi ces gens, il leur suffit peut-être de dire non, que Jésus c'est pas le Fils de Dieu et puis ils sont libres. Ils ne le font pas. Il leur suffirait aussi pour plusieurs de ne pas se réunir dans un lieu de culte, de vivre leur petite foi tranquille, pépère. De toute façon, c'est trop dangereux de se réunir. Donc le Seigneur sait. Donc je n'ai pas besoin de rencontrer d'autres croyants. Parce que c'est trop dangereux. Je vis ma foi pour moi. Et pourtant, ils sont poussés à se réunir quand même et à louer le Seigneur, à venir dans un lieu de culte. Ensemble. Et aujourd'hui, il y a des mouvements diaboliques, il faut le dire, qui poussent les gens à sortir des églises sous preuve de miracles, d'expériences magnifiques, disent qu'il faut sortir des églises, pas juste pour évangéliser, mais parce qu'ils disent que toutes les églises sont pourries de toute façon et c'est de la perte de temps, de l'argent.
Et c'est vrai qu'on fait miroiter des miracles et des choses. Et oui, Dieu fait des miracles. Mais en réfléchissant un petit peu, mais qu'est-ce qui motive les chrétiens persécutés à se réunir alors qu'ils auraient toutes les raisons de ne pas se réunir? Parce que leur vie est en danger, Dieu le sait. Et je ne pense pas que Dieu les blâmerait. J'en suis venu à la conclusion de me dire, mais ils ont besoin des autres. Ils ont besoin des autres afin que d'autres prient pour eux. Ils ont besoin, eh bien, d'être fortifiés. Parce que Dieu se manifeste, Dieu manifeste sa gloire, sa force glorieuse lorsque, eh bien, deux ou trois personnes sont réunies en son nom. Lorsque les gens prient ensemble, lorsque les gens prennent la Sainte Cène aussi, la communion en son nom, se réunissent dans les maisons ou dans un lieu de culte pour prendre ensemble, rompre le pain au nom du Seigneur. Les gens ont besoin de ça. Et ils sont poussés à se réunir parce qu'ils savent que seuls, même si peut-être leur corps eh bien, s'en portera mieux parce qu'ils ne risquent pas d'être battus ou d'être jetés en prison ou tués, mais ils savent que leur âme est plus importante que leur corps. Ils ont besoin de soigner leur âme. Et pour ça, afin que la gloire de Dieu se manifeste, et on voit lorsque dans l'Ancien Testament aussi la gloire de Dieu s'est manifestée, eh bien c'était dans le temple ou dans le désert quand il y avait la tente. Là, Dieu se manifestait. Après, il y a eu le temple aussi. Et on voit dans le Nouveau Testament où eh bien, toutes les lettres de Paul s'adressent d'ailleurs à des églises. On voit l'Apocalypse s'adresse à des églises aussi. Et on voit la force, la puissance qu'il y a eh bien, à se réunir ensemble. Et le diable aussi le sait. Il va tout faire afin que les gens eh bien, n'aient pas envie, n'aient plus envie, soient peut-être déçus ou soient conduits par des fausses doctrines à quitter les églises. Mais ce n'est pas dans la volonté du Seigneur. Ce n'est pas dans la volonté du tout du Seigneur. Et j'ai pensé pas plus tard que cette semaine en me disant, mais qu'est-ce qui pousse ces chrétiens à se réunir? Parce qu'ils ont envie de voir, d'être puissants à tous égards par sa force glorieuse, de voir cette manifestation de sa gloire. Alors Jacques nous dit, considérer comme un sujet de joie le fait de traverser des épreuves, ce n'est peut-être pas toujours mon cas, notre cas. Et pourquoi ? Ben parce que ça nous pousse à la persévérance. Gardez toujours en tête que l'épreuve est pour votre bien. Jacques dit que si vous passez l'épreuve, ça modèlera aussi chaque domaine de votre caractère et de votre personnalité. Ça vous permettra eh bien, de gravir des montagnes supplémentaires. Alors j'aimerais conclure le message de ce matin, simplement en relisant ce verset 11, de Colossiens 1, « Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse pour être toujours et avec joie persévérants et patients. » On a vu qu'au travers de la force du Seigneur, eh bien, on est fortifié, ayant été rendu puissant par sa force glorieuse. On sera capable d'être avec joie persévérant et patient dans les tribulations. Je vous ai posé la question tout à l'heure, est-ce que vous êtes tenté parfois de reculer dans votre engagement avec Dieu? Ça peut nous arriver. Et c'est pour ça eh bien, que vous avez besoin d'autres frères et sœurs. Vous avez besoin de venir dans un lieu comme celui-ci, un lieu de culte, afin eh bien, de pouvoir être fortifié aussi par la gloire qui se manifeste lorsque le peuple de Dieu se réunit ensemble. Prend le pain et le vin en mémoire eh bien, du sacrifice du Seigneur. Vive la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Certaines expériences ont peut-être affecté votre enthousiasme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez été blessé, déçu. Ne vous laissez pas gagner par le découragement. Relevez-vous avec l'aide de Dieu et poursuivez votre chemin spirituel. Laissez-vous pas gagner par le plan du diable. Devenez la femme ou l'homme que Dieu désire que vous soyez. Et agissez selon la parole de Dieu, que votre vie soit guidée par son esprit.
par son esprit qui va vous rappeler sa parole. Au psaume 68, verset 29, il est dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. » Cette constatation, Dieu souhaite qu'on soit puissant ou fort ou fortifié. Mais après, le psalmiste va dire « Affermis ». De nouveau, voilà, la volonté de Dieu, c'est qu'on soit fortifié, qu'on soit puissant, qu'on soit relevé, encouragé. Et il fait cette prière « Affermis ». Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. C'est que Dieu qui peut nous affermir, nous rendre forts et puissants. Alors si ce matin, vous vous reconnaissez bien dans peut-être cette phrase, ou ces quelques phrases, ces interpellations que je vous adresse, si vous êtes tenté de reculer dans votre engagement avec Dieu, si peut-être des expériences vous ont blessé, a peut-être comme un petit peu éteint votre enthousiasme. Si quelque chose eh bien, entache votre relation avec le Seigneur ou avec d'autres croyants ou avec son Église, eh bien, je vous invite simplement maintenant, tous ensemble, à fermer les yeux. Comme ça, vous ne vous concentrez pas sur ce que le voisin fait ou... Vous vous concentrez sur ces questions. Vous fermez les yeux, vous réfléchissez à si ça fait écho dans votre cœur. Et si ça fait écho dans votre cœur, vous avez peut-être parfois tendance à vouloir baisser les bras, reculer face à votre engagement avec Dieu. Je vous invite simplement à vous lever. On garde les yeux fermés. À vous lever à votre place. Je ne vous demanderai pas de vous avancer, mais à vous lever à votre place. Si des expériences ont blessé vos émotions, ont affecté votre relation avec le Seigneur ou avec d'autres croyants, levez-vous à votre place et je vais prier simplement pour vous. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ces frères et sœurs qui se reconnaissent. Seigneur, ta volonté, c'est qu'ils deviennent puissants et forts. Ta volonté, c'est qu'ils soient affermis par la force de ta gloire. Ta volonté, Seigneur, c'est qu'ils soient relevés. Ta volonté, Seigneur Jésus, c'est qu'ils soient guéris. Tu connais ce pourquoi ils se lèvent ce matin. Et Seigneur, je veux te demander dans ta grâce, dans ta bonté, de venir poser ta main là où ça fait mal dans leur vie. Seigneur, afin de prendre ces douleurs sur toi, de prendre peut-être cette envie de baisser les bras ou de lâcher prise, d'abandonner la foi même. Et Seigneur, que tu puisses les fortifier, les encourager. Tu vois celles et ceux peut-être qui ont été déçus par telle ou telle personne ou telle situation. Eh bien, Seigneur, viens consoler, viens relever, viens guérir ces blessures. Parce que nous croyons que tu es le Dieu qui libère, qui guérit, qui relève, qui encourage, qui fortifie. Merci, Seigneur Jésus, pour ton miracle dans leur vie. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Souffle par ton esprit, Jésus. Souffle par ton esprit sur ses frères et sœurs. Viens les visiter. Toi seul peux combler, Seigneur, leurs besoins, leurs attentes. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen.